Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother avec les Sims du Cygne, toujours sur Warriors of Nurse. Et on accueille dans notre compagnie plein de nouveaux, on accueille donc la Harle, Théo le Pourfendeur, Yilek le Manchot, Merillion Saltbringer, Vandal Jean-Séric et un Camoucheur le Tueur d'Hydromiel. Bienvenue du coup, bienvenue à tous dans cette nouvelle petite compagnie. On avait des trucs à faire, il fallait qu'on aille chercher nos sous. C'est parti, bon, on a une campagne à traverser. On va donc se foutre en vitesse 2 tranquillement. Ici il y a des gens qui sont passés mais on s'en fout. Hop là, on va récupérer notre blé. Et il y avait du coup un autre contrat normalement à prendre. Regardons un petit peu ce qui se passe. Alors ils ont des embûchettes trad route et du rebuilding effort. Ok, donc c'est vraiment la loose en termes de ressources. Par contre du coup on peut leur vendre des trucs chers. On va le faire, on va leur vendre ça. On va leur vendre ça aussi. Des petits filets là, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant tout est cher de toute façon. Il y a plein de gens à recruter par contre. Une main de caravane, un historien, ok pourquoi pas, une autre main de caravane avec une dague. On s'en fout un peu, on va regarder un peu ce qu'il vaut lui. Il déteste les Gringsting et est fort. Ah et bah bienvenue. Bienvenue, bienvenue, et tu es plutôt quelqu'un qui joue au corps à corps. Tu vas donc prendre une hache. Et malheureusement on n'a pas beaucoup mieux à te filer. C'est pas grave. Par contre le petit couteau, tu vas le garder, hop, parce qu'il va falloir vraiment qu'on se fasse des trucs où on tatane les armures, hein, parce que c'est, enfin, j'arrive à récupérer des armures plutôt. Alors voyons voir ce qu'on a. Une livraison, alors faut qu'on fasse gaffe parce que les livraisons, on va pas pouvoir les faire partout quoi. Elstad, ok. Bon, vu le prix, c'est probablement pas très loin. Regardons ça. Elstad. Elstad, c'est là. Ok, ça pourrait être pas mal, mais d'abord, on va regarder l'autre. Deux crânes. Des brigands. Ivar le Jeune. Donc, il a déjà envoyé quelqu'un s'en occuper, et ils lui ont renvoyé sa tête. 720 couronnes. Un peu plus peut-être, non 700, on a vraiment, pour l'instant, on a une réputation qui est vraiment trop pourrie. On voit, hein, on est unknown, bon, ça va, on est passé unknown, mais juste avant on était unreliable, ça veut dire que on pouvait pas nous faire confiance parce qu'on commence carrément en négatif avec ce groupe quoi. Donc du coup, il faut qu'on aille par là-bas aider des brigands, et ben allons-y, ça peut être pas si mal. On est 7, on est à peu près équipé potablement. On va voir ce qu'on peut faire. Hop là. Est-ce qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans? C'est une bonne question. Alors, on a des Sugs et un Poacher. Ah oui, ça se fait complètement. On va sauvegarder, comme d'hab. Hop. On va pas hésiter à refaire les combats dans cette partie. Hein. S'ils ont l'air un peu pourraves, ou si j'ai fait des erreurs, genre oublier des armures... Hein. Alors, ok, donc un tireur, on n'est pas trop mal, il y a ce petit truc qui va les forcer à se scinder. Ça vaudrait presque même le coup que j'avance d'une case, ouais non, c'est pas mal comme ça. On va attendre, hop, hop, ouais, je pense que je peux même carrément passer le tour. Alors, là c'est le tireur risque d'être dangereux parce qu'on a quand même beaucoup de monde qui n'ont pas de bouclier encore. Hein. Ici par contre on va patienter. Ok. J'ai cru qu'ils allaient attendre parce que le premier a pas bougé, mais il doit sûrement protéger leur tireur. Bon, techniquement on s'en fout. Ok. On passe le tour, on passe le tour. Ici on peut tirer. Avec des chances de toucher un peu pourrave, mais bon. On y va quand même. Ici on fait un petit mur de pique et on patiente.
Ici, alors ça pourrait être intéressant quand même de charger. Ouais, on y va, allez hop, c'est parti. Hop, un coup de dans la tronche. Ah, on se rate malheureusement. Taper sur lui parce que c'est lui qui me fait le plus peur avec son fléau là. Voilà, il nous touche, il nous rate. Ah, nous a stun. Reinhardt qui souffre. Ah putain, ils ont réussi à avancer malheureusement. Ça c'est dommage. Tant pis, on va lui taper dessus. On rate, enfin on touche mais on fait pas grand chose. Un petit coup de fourche, très bien. Le mur de pique fait son taf. Ok, là il essaie de nous tirer dessus. Ah, il a cassé notre bouclier, le petit enfoiré. Continuons de lancer quelques petits trucs. Bah ici on va se reposer, du coup on va attendre. Alors là, voilà, faut qu'on bute celui-là. Un coup de fourche. Ok, là ça fuit. Voilà, on va essayer de buter lui et on va prendre le couteau pour la suite. Ah, j'ai pas assez d'action malheureusement, donc on va se poser là. On va avancer, prendre ça. Ah zut, son armure est déjà cassée à lui, c'est dommage. On va essayer de récupérer son casque au moins, voilà. Bon bah lui va essayer de s'enfuir mais il va prendre cher hein. Alors là on peut peut-être charger l'archer, on va le faire. Là on va aller par là-bas, filer un peu de renfort à notre copain. Pareil avec lui. Donc ici par contre, on va essayer de le finir. Sans abîmer son armure si on peut, même si j'y crois pas trop. Lui n'a pas tapé encore, parfait. Lui s'enfuit. On va prendre notre petite dague. Ok, l'archer va s'enfuir, rien de nouveau. Toi tu fais rien. Ici, tu vas équiper ton petit couteau. Raté. Lui, son armure est toute neuve, alors j'aimerais vraiment beaucoup la récupérer, donc on va se contenter d'aller le cerner. Toi, tu vas lâcher le chien. Voilà. Ici, pareil, on va aller le cerner et prendre ça. Ah, dommage, on peut pas aller assez loin. Pas mal ça, c'est propre. Ah dommage, c'est la fourche qui l'a tué, j'espère que ça a pas caché son armure. Bon, allons par là, même si on va probablement arriver bien après les autres. Hop, voilà. Il résiste hein. Allez, on court. On n'arrive pas à le toucher, c'est ouf. Au moins, on se rapproche. Alors ici, on va essayer de passer son armure si on peut, voilà. Aïe. Ok, bon
Bon, il s'enfuit direct. C'est cool. Hop. Et le chien le termine. Bon, pas mal, pas mal, pas mal. On récupère de la bière, bien joué les gars. Et un petit peu d'équipement, c'est parfait. Et de la thune en plus. Doublement parfait. Alors du coup, ce truc-là, c'est du 70, je crois. Hein. C'est nickel, ça. Ça, c'est du 75. Toi, tu vas prendre un truc un peu plus efficace. Ça, c'est du 65. Ça, c'est du 95, donc on garde. Toi, tu vas prendre ça. T'auras une bonne tête comme ça. On a aussi chopé un petit casque. Casque que toi, tu vas prendre, je pense. Ouais. Et toi, tu vas prendre celui-là. D'ailleurs, toi, t'as peut-être pas besoin de ça pour être à distance. Je suis un peu con. Tu vas le donner à lui. Voilà, c'est mieux. Non, toi, t'as besoin de fatigue. Tu vas le donner à lui. Parce que ça, son mur de pique est quand même assez fatigant. 6 de fatigue, 6 de fatigue, c'est la même. Mais lui est plus efficace contre les armures. Alors on a rechopé un petit bouclier, donc on va le redonner à lui, vu qu'il s'est fait casser le sien. Et on a un petit niveau ici. On va monter son tir, parce que c'est un peu le drame, son tir. Et ça, voilà. Alors, on a une hachette, hein, 25-40, 30-40. Par contre, moins 12 de fatigue, moins 6 de fatigue. Hein, donc, on va lui filer ça. Ah, ça fait beaucoup moins de dégâts au bouclier, par contre. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, on va garder la grosse hache des familles. Et on a ici un niveau aussi. Ah, les jets sont pourris, là. Tant pis, on va continuer de monter ça. Il faut qu'il soit plus efficace. On va monter sa fatigue et sa vie pour être à 60. Parfait. Et ici... Ici, on va prendre dodge. Dodge ou autre chose. On va prendre recover. Pour pouvoir remonter ses murs de pique éventuellement. Ici, j'ai oublié de prendre une compétence. Bull Haze. Toujours bien pour les archers. Ok, et on a terminé notre mission, on va pouvoir rentrer tranquillement, récupérer nos gains. Hop là. Est-ce qu'il a guéri sa blessure au fait lui? Oui, hein. Par contre c'est lui qui est blessé maintenant. Il a une cheville foulée, et on récupère plein de blé, et ça c'est super. Donc ils sont toujours en rebuilding effort. Mais on a presque de l'ambre à prix coûtant quand même. Et on a du budget, on va donc le prendre. On est 7, donc j'ai pas envie de recruter d'autres personnes pour l'instant. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que toi, plutôt que te filer ce truc-là qui fait 12 au bouclier, on va te filer le marteau, qui est à la fois efficace contre les armures et efficace contre le bouclier. Et du coup, on va prendre cette petite livraison, qui va nous permettre d'aller par là-bas sans payer, enfin sans que ce soit complètement gratuit. C'est quoi ça? Ah, des vignes. Sympa. Die Maker. Oh, deux daymakers et deux vignes, il y a moyen de faire du commerce dans ce bled. C'est plutôt cool. Bon, par contre niveau contrat, on est open avec plusieurs villes, mais c'est pas encore gagné, hein, le friendly. Faut espérer qu'ils vont avoir quelques autres contrats à nous donner. Ok, on livre notre petite livraison de 90. Donc ils sont aussi en rebuilding effort, ils ont aussi des embûches de train de route. Par contre, eux, ils ont plein d'infrastructures. Alors est-ce qu'on peut du coup vendre ça à... Ah bah voilà, 100 de bénéfices, c'est parfait. Bon, par contre, tout le reste va être... voilà quoi. Hein. Le temps qu'on se débarrasse de leur route, en tout cas...
leur problème de route. Ici on a un petit bouclier pas trop cher, on va le prendre. Pour toi, hop, voilà. Ou plutôt non, on va essayer de privilégier notre lancier, puisqu'il est sur le côté en plus. Parfait. Grosse ville hein, ici. Beaucoup de personnes à recruter également. Un voleur, un quai, un bâtard, une milice et un historien. Bon, on n'a pas besoin de personnes supplémentaires pour l'instant, on va voir un peu les contrats. Ok, lui, c'est une caravane. Tout Kraken, un dé au nord-est. C'est peut-être dans notre zone. On va regarder ça. Kraken machin chaud. Ah bah c'est là, d'accord. Oh bah, ouais bah, ok, bah, ça nous fera un aller-retour, très bien. Et l'autre contrat c'est quoi? Ah c'est aussi une livraison. À Kraken Vador aussi. Et lui il nous donne seulement 110. Et lui 150. Bah du coup très honnêtement voilà quoi. J'ai envie de dire. On va prendre la caravane. Hein. En plus, il nous file de la bouffe. Allez, c'est parti. Ah, et du coup, on a réussi à passer à Friendly en acceptant cette quête. Fantastique. Et ben, on va pouvoir vous payer un petit coup. Ah, on a fait fuir les brigands. S'ils continuent de courir comme ça, on pourra peut-être même les choper. Non, ils font demi-tour. D'autres brigands ici. Beaucoup de brigands dans le coin, dis donc. On récupère 150 couronnes. Alors, du coup, on va pouvoir acheter ça à un prix extrêmement intéressant. On investit dans de l'ambre. Au niveau des outils, ça va. On va se prendre un petit peu de nourriture, je pense. Et on va aller... essayer de chasser les brigands qui traînent à droite à gauche. Alors qu'est-ce qu'on peut vendre? Ça et ça on peut vendre, ça on peut vendre. Un petit couteau, la hachette on la vend. Bon, les trucs pétés là qui nous servent vraiment plus à rien, on va les vendre. Ok, on va aller. Alors j'ai même pas regardé mais il y avait un contrat ici. Non, il n'y a plus de contrat. Du coup, le temps que d'autres contrats arrivent, on va essayer d'aller choper de l'équipement en butant du bandit. Parce qu'avec cette compo, enfin ce départ, hein, les Northern Raiders, il faut qu'on loot du bandit. Hein. Hop là, un pocheur et des thugs, c'est parti. À l'assaut, Lexim, à l'assaut. Alors avec lui, on va attendre, avec les autres, on va probablement passer notre tour. Ok, premier tir qui rate, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont quand même avancer un peu, ouais, voilà, au moins un ou deux, assurez-moi. Voilà, on est d'accord. Du coup, on peut faire un petit tir, avec des chances de toucher toujours aussi minables, mais bon, ah, on a réussi. Cool. Ah, je sais pas pourquoi on met pas d'AZ du coup. Alors ici on va attendre juste. Ici aussi. Ici on attend. Ici on va se décaler au centre. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus centré lui. Ici on va faire un mur de pique et on va attendre. Ici on attend. Ok. Le tireur se rate, c'est parfait. Ouf. Ouh, ça pique ça. Alors, toujours celui-là, là, avec les mecs avec leur marteau. Ça fait des dégâts quand même, hein, la fronde là, hein, de rien. Allez, on tape. Voilà, ici, on va avancer. Et on va tenter une... décapitation sur ce monsieur, raté, dommage.
Hop, un petit coup de fourche. Ici, parfait. Là, avec notre mur de pique, on va avancer d'une case. Et là, du coup, un coup de marteau sur sa tronche. Un coup de marteau sur sa tronche, c'est raté. Lui remplit le trou, normal. Double esquive. Ok, parfait. Aïe. Ouf. Ça touche. Ah zut, le bouclier là. Alors ici, j'aimerais bien me débarrasser de celui-là. Voilà, parfait, une petite décapitation. Ça fait toujours du bien au moral. Ah parfait, lui il s'enfuit. Comme ça on est bien. Hop, un petit coup. Ok. Ah bah ça commence à ressembler à quelque chose. Ah lui s'est foutu en riposte, dommage. Mais il s'enfuit, et ça c'est pas dommage par contre. On va charger par là un petit peu. Là j'ai pas de tir intéressant de toute façon. Voilà. Hop. Lâchons les chiens. Hop. Voilà, ça le chien s'occupe de lui et il peut direct au prochain tour charger là. Parfait. Ça a marché. Un coup dans sa tronche. Un autre coup dans sa tronche. Il pisse le sang. Hop, on avance. Et le chien met le coup final. Ok, donc on a Reinhardt qui a juste pris un coup sur les doigts, ça va. Et on récupère de nouveau de l'équipement. Alors c'est pas ouf, hein, c'est du SUG, mais c'est toujours de l'équipement bon à prendre. Est-ce qu'on a eu des trucs intéressants? On n'a pas mieux en termes de fléau. Lui il a un niveau, on va le prendre. Hop là. Un peu de résolution parce que 40 c'est pas assez. Et un peu de fatigue. Et bien sûr student. Alors... on a récupéré un arc, alors est-ce que ce serait mieux que notre petit truc du coup? 25-40, 30-50. Alors je comprends pas trop pourquoi... ah non c'est... ah oui c'est ça, daze la target si on touche la cible dans la tête, j'avais pas fait gaffe. C'est pour ça du coup qu'on n'arrive pas à les blesser, on va quand même prendre l'arc hein. Ça tire plus loin, niveau fatigue c'est kiff kiff. On va rester là-dessus. Ok, on va continuer notre track de brigands. En plus on se dirige doucement vers cette ville là, donc c'est plutôt cool. Alors on va les poursuivre tranquillement pendant la nuit. On va pas les attaquer de nuit. Y'a quoi ? Et que des Seugs, ouais. On n'aurait aucun intérêt à les attaquer de nuit, on a un seul tireur, mais eux on n'en a pas du tout. Ah, il y a la milice qui est sortie, et ben on va... Du coup... sautons-leur à la gorge, même si à mon avis... Ouah, la vache, la milice elle a l'air bien équipée, hein, purée. Ah, ils ont tous un petit bandeau, c'est marrant. Ils vont par là. Les ennemis sont pas ici. Bon, visiblement, ils sont plutôt vers le haut. Ok. Pourquoi pas.
Est-ce qu'on y voit un peu plus clair? Ok, ils sont là. Wouah, la vache. Heureusement qu'on n'a pas ça qui nous a popé dessus quand on traversait la ville au tout début, hein, parce que... Ah bah bien joué. Je crois que je suis pas le seul à toucher mes potes au moins. Ils tirent dans le tas, hein, ils en ont rien à foutre, hein, la vache. Je sais pas si on pourra faire grand chose. Parce qu'ils sont quand même super nombreux. Ouais, les morales commencent à tomber. Ok. Ça sent le pâté pour eux. Ils ont quand même des... Ah, ça c'est le Militia Captain, d'accord. C'est pour ça qu'il est aussi bien équipé. Histoire de tenter un tir, au moins mettre un coup, mais à mon avis il va être mort avant qu'on arrive, hein. Enfin, déjà faut faire tout le tour maintenant. Je veux lâcher le chien, faut que j'aille jusqu'ici au max, à mon avis. Même lui, il fera pas grand chose. Il peut aller au scoller quand même. Brigand qui résiste à tout, quoi. Aïe. Ok, bon bah, on aurait été filé un coup de main, mais. On n'aura strictement rien fait. On a du coup bien sûr aucun loot. Logique. Sommes militia marksman, sommes militia vétéran, militia captain. Ok, mais on est sur du mec badass déjà. Hop là. Donc du coup il y a toujours le contrat. Bah, on va pouvoir le prendre, hein, pour retourner à l'autre ville du coup. Je pense. On peut vendre notre ambre. Avec un sacré bénéfice, c'est parfait. Hop là. Ils ont toujours des embûches de trade route, donc ça coûte toujours une blinde l'équipement. Ah, et ça c'est pas mal par contre. 125 seulement pour ça, on va prendre ça. Petite armure à 80 là. Hop. Ça c'est 75, on va pouvoir le filer à toi. Et du coup, bah on est pas mal hein. On n'a rien en dessous de 65 normalement. On commence à être bien. On commence à être bien. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je t'ai pas donné un petit bouclier, toi. Tu mérites bien un petit bouclier. Ok. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite. Et je vous dis merci à toutes et à tous.